Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance générale du week-end. Week-end du 18-19 juin 2022, où il fait trop chaud, très chaud pour tout le monde. J'espère que vous arrivez à vous rafraîchir. C'est vraiment pénible. Alors, j'espère tout de même que tout va bien pour vous. Guidance générale. Alors, on va prendre une carte message. J'avais envie de partager avec vous l'oracle des cristaux éternels. Voir un petit peu quel message, quelle pierre nous transmet son message pour ce week-end. Ensuite, nous ferons un tirage, un petit tableau avec l'oracle des fées, le normand. On terminera avec quelques cartes de Monsieur Béline que tout le monde connaît bien. Alors, quel message nous avons à recevoir avec l'oracle des cristaux pour le week-end du 18-19 juin 2022. Week-end du 18-19 juin 2022. Week-end du 18-19 juin 2022. Quel est le message? Le lapis lazuli qui nous parle de résolution de problèmes. Donc, c'est le chakra du troisième œil et chakra de la gorge. Le lapis lazuli. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte? Quel message? Eh bien, c'est tout simplement si vous avez le sentiment d'être coincé ou d'être dans une impasse. Voir si votre vie n'est qu'une succession de problèmes, le lapis lazuli est ici pour vous aider. Tirer cette carte indique que votre environnement est sur le point de se transformer. Une énergie positive s'achemine actuellement dans votre direction. Elle vous aidera à laisser aller tout ce qui vous retient dans votre passé ou votre présent, alors que vous lâchez progressivement prise par rapport à des événements du passé. Vous commencerez à ressentir cette montée d'une nouvelle énergie transformatrice. Très, très, très joli message. En plus, très belle carte, bleue comme ça, je ne sais pas si vous la voyez bien. Le lapis lazuli, résolution de problèmes. Ça ne pouvait pas mieux tomber pour une jolie guidance. Alors, voyons voir un petit peu les énergies pour notre week-end. Week-end du 18-19. juin 2022, week-end. Alors, bon, pour un homme, pour mon consultant, ma consultante, on inverse concernant un partenariat, un accord, une signature, prudence, prudence avec ce serpent. Attention, il peut y avoir aussi quelques anicroches dans le couple pour ce week-end. Alors, week-end du 18-19 juin. Ah, la coupe, nous avons de l'abondance, arrive, ça peut être financière, de l'abondance, ça peut être d'idées aussi, ça fourmille. Et un choix va s'imposer d'ailleurs sur ces idées qui vont fourmiller, sur cette abondance. Il y a aussi les amoureux qui sont là, hein, avec quelque chose d'officiel, une officialisation peut-être pour certains amoureux dans le foyer. Alors, on peut penser aussi que les finances vont être mises à l'honneur concernant le foyer. Des démarches qui ont été faites peut-être pour se mettre ensemble, acheter une maison. Vous voyez un petit peu comment ça résonne pour vous. Alors, est-ce que vous les voyez bien toutes? On va remonter tout ça. Voilà. Alors, en carte focus, qu'est-ce que nous avons? Ah, mon toutou, qu'est-ce qu'il a? Ah, l'arbre, la santé, le bien-être qui est là. Ça peut être aussi avec cet arbre. Je pense que c'est un bon état général, hein. Donc, voilà, on est sur la résolution des problèmes. Il y a la santé, les investissements qui peuvent être bons, on l'a vu à la coupe tout à l'heure. Un bon état général. Alors, on a un bon état général, c'est déjà ça. Regardez ce que nous retrouvons. Nous retrouvons notre serpent. Alors, s'il y a un bon état général pour certaines personnes, moi j'aime à dire aussi
qu'on change de peau. Ça peut être aussi très positif. Sinon, attention, on peut nous indiquer évidemment un danger. Évitez de trop accorder votre confiance ce week-end, soyez vigilant. Vigilant également avec vos finances, hein, bien entendu. Alors, ici, eh bien, c'est les amoureux. Les amoureux, attention à vos projets, n'en dites pas trop non plus, parce que, effectivement, serpent amoureux, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va essayer de fiche la bazar dans votre relation, hein, ou il peut y avoir un rival, quelqu'un de jaloux. Mais pas de panique, c'est aérien, en tout cas, jusqu'à présent. Alors, l'ours, la protection. Il y a une certaine protection ce week-end autour de vous. Avec cet ours, on peut penser qu'il y a la solidité. Vous voyez, il y a... Alors, également les finances. Hein. J'ai une grosse somme d'argent peut-être. On l'a vu tout à l'heure à la coupe. Hein. Prospérité concernant le domicile. Ça peut être immobilier également. Donc, dans ces cas-là, attention, je vous l'ai dit tout à l'heure, ne prêtez pas d'argent. Soyez vigilant concernant les finances, si c'est dans le domaine sentimental, si c'est dans le domaine de vos projets. Alors, effectivement, ma consultante ou une femme proche de vous est concernée. Peut-être aussi un problème de santé concernant un papa pour certaines personnes. Les finances pour ma consultante, là, par rapport à un contrat où il y avait vigilance sur la signature, va vous permettre quand même d'être équilibré. Hein. Il y a quelque chose quand même de beau qui se passe là par rapport à les finances, par rapport à la croissance, une rentrée d'argent, quelque chose qui a été prospère. Effectivement, qui peut être en rapport avec un projet qui vous tient à cœur, qui n'est pas forcément sentimental, hein, mais qui peut vous tenir à cœur, qui peut... Alors, aussi, attention, j'ai envie de dire, si vous êtes par rapport à ces méchancetés-là, vous pouvez faire preuve peut-être d'agressivité vous-même. Hein. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Alors, ils vont essayer de vous bloquer, ces ennemis. Pourquoi j'ai dit amis? Alors, peut-être. Un lapsus révélateur, je ne sais pas. J'ai le sentiment que vous êtes... Il y a un petit blocage là. Alors, il peut y avoir un petit blocage financier. Bon, j'ai envie de dire, ça peut. Hein, mais avec cet arbre-là, cette croissance, ça ne devrait pas durer. En tout cas, on voit bien qu'il est là, qu'il est présent. C'est peut-être ce qui vous mine d'ailleurs. Et hop. Parce qu'il y a, voilà, des informations qui ne sont pas là. Le livre fermé peut sous-entendre que... On n'a pas tout, on n'a pas toutes les infos. On a quelque chose qui, alors caché, c'est pas ça que je veux dire, mais il nous manque des informations, il peut-être manquer un papier administratif tout simplement. Hein. Pour d'autres, j'ai l'impression que sentimentalement, il y a de la cachotterie. Je vous invite à regarder ma guidance sentimentale parce que là, ça vient de me parler de ça. Il y a de la cachotterie, sentimentalement, tout n'est pas révélé. Il y a quelque chose de caché. Un problème que... Bon, voilà, une relation, ou bien, il y a une femme qui a une relation cachée. Quelque chose aussi... Alors, j'ai envie de dire, on ne va pas que parler sentimental parce que certaines personnes vont me dire, mais moi, j'ai pas... Voilà, si vous êtes en projet en ce moment et que ça touche les finances, on voit que vous avez un certain blocage et émotionnellement, vous êtes touché parce qu'il y a quelque chose qui ne vous a pas été révélé, qui vous empêche hein, d'avoir une belle croissance. Hein. Vous allez mettre un terme. Hein. On voit bien qu'il y a la fin de quelque chose. Donc là, alors, dans le côté positif, on met fin, on change de peau parce qu'on voit les choses autrement, on a envie de voir les choses autrement. Donc, on met fin à quelque chose. C'est vous, ma consultante, qui est concernée. Pour l'instant, c'est vrai que ça n'avance pas beaucoup, vous avez été bloqué. Mais vous allez avoir une belle croissance après révélations qui vont être faites. On voit très bien que les finances aussi vont s'arranger, une certaine forme de protection également par rapport à des nouvelles que vous allez recevoir qui sont plutôt beaucoup d'échanges sentimentaux ou qui vont vous toucher, qui vont vous impacter. Pour d'autres personnes, j'ai fait tomber des cartes et
Je dis toujours que si les cartes veulent parler, elles me le font savoir. Donc, on va les mettre là et on y reviendra après. Pour d'autres personnes, il y a bien quelque chose qui n'est pas clair, qui n'est pas sain. Donc, vous vous retrouvez bloqué, ça peut être le domaine financier. Mais de ce fait, ça vous permettrait ou ça va vous permettre de mettre fin d'ailleurs à quelque chose et vous allez retrouver un certain équilibre. Vous êtes en attente de nouvelles, hein, voilà, et des nouvelles qui vont vous permettre peut-être émotionnellement de voir les choses autrement. On peut voir aussi que par rapport à vous, madame, il y a au niveau sentimental, si vous êtes concernée, quelque chose qui ne tourne pas rond, du mensonge autour de vous. On peut voir aussi que vous avez envie de mettre fin à quelque chose, mais pour l'instant, vous êtes bloqué par rapport à des nouvelles que vous attendez, mais qui n'ont pas l'air de vouloir venir, ou si elles viennent pour certaines personnes d'entre vous, c'est des révélations qui ne vont pas forcément vous faire plaisir. Alors, a voulu tomber le jardin, il y a du monde autour de tout ça. Il y a du monde, les choses avancent, il peut être question de changer, de voyage, de déplacement. Mais vous allez couper, hein. Vous allez couper. Alors, est-ce que vous voulez couper avec la situation parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas et de ce fait, on voit que vous partez, vous coupez. Voyez un petit peu comment ça résonne en vous. Il est peut-être question également de voyages qui ne vont pas se passer tellement, vraiment comme vous le voulez. Alors, eh oui, ça vous stresse parce qu'il y a vraiment quelque chose qui a... Il y a mensonge autour de vous pour ce week-end. Hein. Il y a mensonge et ça vous stresse. C'est une institution qui bloque l'autorité, un bâtiment public. On est en présence de blocage, peut-être pour des démarches que vous avez peut-être envie de faire et que pour l'instant, vous ne pouvez pas faire parce que vous vous sentez peut-être pris au piège. Vous vous sentez peut-être isolé, vous voyez, par rapport à votre stress, à votre situation. Et on voit bien que ça peut toucher le domaine professionnel pour certaines personnes. Et oui, il y a des gens qui travaillent le week-end. Il peut y avoir une situation avec un patron stressante, bloquante, qui vous isole. Si ce n'est pas dans le domaine professionnel, on est bien en présence d'une situation où ça vous met vraiment très mal. Vous vous sentez un peu coincé, peut-être financièrement d'ailleurs, parce qu'il y a une certaine ruse autour de vous. On essaye peut-être de vous bloquer financièrement aussi. Hein. Alors, vous voulez vraiment mettre fin officiellement. J'ai l'impression qu'il y a une rupture là. Je sens un divorce. Je sens il y a quelque chose qui va dans ce sens. En tout cas, pour d'autres, vous voulez mettre fin à quelque chose, une renaissance, mais avec sagesse. Avec sagesse, parce qu'effectivement... on retrouve notre abondance, vous allez vous retrouver avec une certaine, vous voulez une certaine paix, retrouver la sérénité au niveau finance et les nouvelles que vous attendez vont vous permettre de vous stabiliser. Les nouvelles que vous attendez, effectivement, vous êtes lié à ces nouvelles, vous êtes suspendu d'ailleurs à ces nouvelles, vous les attendez le pied ferme, hein. Elles vont vous permettre, c'est une confirmation que vous attendez qui concerne vos finances. Qui peuvent concerner les démarches que vous voulez faire et les finances sont impactées, bien entendu. S'il y a un changement dans votre vie, on peut penser que vous pouvez vous retrouver avec des dépenses. Ou bien, pour certains, si c'est commencé acté, il peut y avoir eu quelque chose d'acté, hein, officiel, hein, qui fait que vous touchez de l'argent. Pour d'autres, il peut y avoir des dépenses en faveur de la maladie aussi, du médical. Alors... Pour d'autres personnes, on voit que pour vous, madame, ou une femme proche de vous, il y a une invitation, quelque chose de bien. On en discute, il y a beaucoup de discussions. Peut-être allez-vous mettre à jour quelque chose, d'ailleurs, il y a du dialogue. Hein. On voit qu'il y a peut-être une rencontre qui va se faire, qui est perçue comme une chance, une belle réussite. Cette rencontre, lors de festivités, lors de réjouissances, d'ailleurs. On peut voir qu'effectivement, il y a du stress normal concernant les finances. Et si c'est pour un projet en amoureux, le trèfle est là, les choses vont s'aplanir, les choses vont s'arranger.
vous allez avoir un coup de chance. Pour d'autres, il peut y avoir, là on est dans le coup de chance aussi romantique, hein, un coup de chance, coup de foudre j'ai envie de dire. Pour d'autres, niveau professionnel, on voit qu'avec la hiérarchie, on est en attente de nouvelles que l'on va recevoir, qui vont peut-être nous permettre de nous stabiliser d'ailleurs, et qui sont perçues comme un coup de chance. Au niveau sans, également professionnel, on voit une abondance hein, qui arrive, hein, une croissance, quelque chose de beau, et c'est vraiment perçu comme une surprise pour une femme ou une femme proche de vous. Il y a l'administration là qui nous bloque quelques documents, ou bien il y a de l'officialisation dans l'air là, quelque chose d'officiel hein, avec qui est fait aussi avec sagesse. Hein. Ce lys nous dit qu'on est peut-être obligé d'attendre quelque chose effectivement, mais en même temps on a la sagesse. On est obligé, mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui, voilà, qui va prendre fin. Et pour l'instant, il y a peut-être un document, quelque chose qui est bloqué, ou ce sont vous, c'est vos émotions peut-être aussi, que par rapport à une situation qui a pris fin, qui va prendre fin, vos émotions se retrouvent complètement bloquées et vous vous isolez, vous vous enfermez sur vous-même. On peut voir que par rapport à des informations que vous attendiez également, ou vous avez pris connaissance aussi d'informations qui vous ont donc, qui ont pesé lourd, qui ont pesé très lourd dans votre mental. Et ça va être confirmé par écrit. Il va y avoir effectivement des choses qui vont être, vous allez prendre connaissance de choses au bout d'un moment, puisqu'il y a aussi des cancans, des commérages. Voilà les amis. Beaucoup d'infos pour ce week-end du 18 et 19. Alors, nous allons regarder. En trois cartes, si M. Béline nous reconfirme ou nous donne d'autres infos. Trois cartes qu'on va recouvrir quand même. Hein. On va nous faire un petit jeu de ces cartes pour voir un petit peu ce que M. Béline a à nous dire pour notre week-end. Du 18-19 juin 2022. 18-19 juin 2022. Monsieur Béline, 18-19 juin 2022 pour mes abonnés. Alors, à la coupe, on est sur un départ, effectivement, il y a quelque chose qui prend fin. Et regardez, c'est protégé. Quoi que ce soit comme décision que vous alliez prendre, de toute façon, n'oubliez pas qu'on a la résolution des problèmes qui est là. Même s'il y a un départ, il y a une super protection. Il y a un départ avec qui va, alors, il peut y avoir aussi, regardez ça, c'est pas joli, quelle que soit la décision que vous allez prendre, les amis, c'est perçu, c'est beau, c'est un cadeau, et vous avez la protection. C'est très joli. Alors, l'union, le couple, le partenariat, un contrat, voilà. Bon, il y a quelque chose de beau, mais il y a beaucoup de discussions, hein. Ça discute, ça discute. Pour certains, dans le couple, là, il y a quelque chose de beau, de gracieux. On est dans la beauté. Votre couple est beau, votre amour est beau. Pour certaines personnes, il y a peut-être aussi un contrat, un accord qui a été passé et qui est beau, qui est judicieux, qui est bien, mais il y a beaucoup de discussions autour. Hein. C'est bien, ça concerne le foyer, votre maison. Vous avez eu l'intelligence d'ailleurs de réagir. Oh là là, et rien à dire. Alors, purement sentimental, les amis, le couple, il est là, il est beau. C'est magnifique, il y a beaucoup de discussions, on communique beaucoup. Et même s'il y a des ragots autour de ça, votre union est protégée. C'est bien le foyer qui est concerné. Vous avez l'intelligence de ne pas faire fi de ces ragots et vous avez une super protection sentimentale. Pour d'autres personnes, vous avez peut-être signé quelque chose. Vous êtes en passe de signer un contrat. Vigilance, tout
Alors, on l'a vu avec le serpent quand même en signant. Hein. C'est quelque chose de très beau que vous allez faire, que vous allez mettre en place en tout cas. Il y a beaucoup de discussions autour de ça, c'est normal. Attention, je l'ai dit, on fait attention à ce que l'on signe. Ça vous concerne le foyer, ça concerne peut-être l'immobilier, un achat, une vente. Vous avez l'intelligence en tout cas de le faire. Vous allez prendre connaissance de choses aussi qui vont vous aider. Et c'est tout beau, c'est béni. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu, vous a parlé ou vous parlera. J'étais ravie de vous le faire, bien que j'ai très chaud comme nous tous. Je vous souhaite, alors je vous invite à regarder la guidance sentimentale. Je voulais vous remercier aussi pour vos commentaires, votre présence, votre fidélité. Vraiment, c'est grâce à vous que la chaîne grandit et que la chaîne existe. Encore un grand merci, prenez soin de vous, passez un excellent week-end et à bientôt.